Nous avons passé en revue les quelques projets du corridor central, lesquels projets nous sommes en train d'exécuter, ou bien qui sont en devenir et qui seront financés par le corridor central. Ici, je citerai à titre d'exemple la RN3 que vous connaissez tous et qui va relier le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Donc, en deuxième lieu, nous avons échangé sur le projet de chemin de fer au Vinza-Musongati. Et comme vous le savez, le rapport des études de faisabilité a été adopté, accepté. Il reste à être signé par les deux parties, c'est-à-dire la partie tanzanienne et la partie burundaise. Et surtout, nous avons parlé, échangé. Et sur le modèle de financement des infrastructures et routières. Ça, c'était en dernière position. Nous avons échangé sur le modèle de financement des infrastructures et surtout de l'entretien de ces infrastructures. Donc, nous nous sommes entendus qu'une équipe aussi sera mise sur place et les experts vont nous aider pour trouver une meilleure formule de construction de ces infrastructures et surtout de les entretiens.